pas finale des perdants, hein, tant pis. Hein. Ouais, tu vas jouer contre. Ben, je jouerai contre Duke ou contre Philus ici, je jouerai contre le perdant. Hein. Ah d'accord, c'est pas pour la... Ah oui, c'est Ah non, moi je suis pas. la... Moi, Oui, j'ai plus moi, que... je... moi il me dit, ça va, je te laisse la victoire. Je dis, non, moi je prends pas la victoire, t'as gagné, t'assumes, c'est tout. Hein. Écoute, c'est une map compliquée. Et son choix d'armée, ben, il a profité de son artillerie. Ben, ah oui, Donc, et... il devait t'attirer hors des forêts pour pouvoir te toucher. Mais c'est vrai qu'il n'était pas engageant. Il Non, hein. attendait. C'est vrai. Une très très belle contre-attaque que tu as fait sur ton flanc gauche là. Ouais. C'était magnifique, ça, franchement. Mais je n'aurais pas poussé. Ben, j'ai voulu pousser peut-être trop loin, j'ai Oui, pas... Ah. oui. Mais je pense que si tu l'avais, si tu t'étais replié et protégé derrière la dune, un petit peu côté tes janissaires, récupère un peu, tu aurais pu faire un deuxième assaut. Ouais. Mais c'était bien fait. C'était vraiment, tu as vraiment ouvert le verrou là. C'était vraiment bien fait. Alors, Ouais. ici, on a le duc de Rivoli qui va jouer le Portugal. Je te laisse commenter la faction portugaise. D'accord. Donc ça bouge tellement. Il a pris deux caves, deux, une artillerie. Ouais, il y a des maisons, c'est une bonne idée. Une troisième cavalerie. Alors. Hein, trois cavaleries portugaises, c'est étonnant. Ouais, c'est ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit lignes, neuf, dix lignes Dix qu'il a lignes gradées de 1. de A, ouais. Bah, c'est clair, il n'y a pas d'élite, hein, chez les Non, Portugais. il n'y a pas d'élite du côté portugais. Y en a... Voilà, les redoutables Casadores en léger. Ah, il a pris une troupe de Tiradores aussi. On va voir ce que ça va faire comme dégâts. Et une artillerie de 6 livres gradés de 1. livres, ouais, gradé de 1 aussi. Ben oui, pour la maison, c'est ce qu'il faut, hein, cette map. Et ben voilà, oui. Et il a pris un état-major classique. Oui, alors côté Major. suédois, côté Philus Pouleux. Qu'est-ce qu'on a? Oula, pardon, excusez-moi. Je... Alors, qu'est-ce qu'on a pris? On a une, deux, trois. Je vois trois Jaeger à pied. Je vois 4 Jaeger à cheval, 2 Jaeger ou 3 Jaeger à pied, 1, 2, 3, 4, 5, 6 infanteries. Je crois qu'il a 10 lignes. Il a pris combien de lifeguards? Je vois 3, 4 lifeguards et 6, donc ça fait à peu près 10 unités d'infanterie. Ouais. Les vigueurs. Donc, Val d'Aoste, c'est souvent là, le village au centre. Avantage au Suédois pour se positionner. Oui. Il a moins de relief que l'autre. Oui, ben, il a surtout, Philus prend son adversaire ici de vitesse, il veut prendre la ville le plus rapidement possible. On voit qu'il y a aussi une artillerie de chaque côté, donc on veut empêcher son adversaire de prendre les maisons. Ah, j'ai pas mis... Attendez, je vais mettre les... Oups, excusez-moi, attendez. Ah, j'essaie de... un petit Groot est là. C'est pour mettre les... lancer les prédictions. Bah, si tu es là. Hein. Alors, Attention, du... de cavalerie portugaise, cavalerie Ouais! Bon. Ouh, Ouh, pas eu le temps de est-ce mettre des piques. que... Oh, bah, si, j'étais au dernier moment. Tout juste, tout Tout juste. juste, tout juste. Et on a l'artillerie qui... Non, on a l'autre Jaeger dans la maison qui va continuer à tirer, mais franchement, c'était... Ouais, c'est... Bon. Pour le prix du cavalerie portugaise, on va dire que ça va. Ouais. Bon, il a perdu 20 hommes. Quand Ouais, même, il il est a, resté ouais, quand même. et lui, il en a perdu. Ouais, il a perdu 19 bonhommes. Ouais. On a connu Excellent. mieux, mais on a Ouais. connu pire, on va dire. Ouais.
Ouh là là, la salve ici dans le sol, parce qu'on est en train de tirer sur la cavalerie. Alors, on lance l'offensive à gauche dans la ville du côté de Philus Poulain. En face, on a des unités, 4 unités d'infanterie, 2 casadores. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Est-ce qu'il a réussi à déployer son artillerie, le portugais? Oui, il avait positionné en tout cas. Mais bon, toujours appelé. Mais bon, oui. Bon. En fait, le problème, c'est que placé là-bas, il y a quand même beaucoup de maisons qui gênent. Hein. Faut piquer aussi, hein. Ou attaquer. Ouais. Alors, on voit qu'on flanque avec les casadores, on est en train de flanquer l'infanterie de l'île, mais bon, on est quand même protégé par la forêt. La case de rester dans la maison, ça ne sert pas à grand-chose de tirer dans une maison. Lui, il est entre 125. Alors, on tire dans la maison, on gaspille des munitions contre la maison. Et c'est bien dommage. Alors, on va se battre dans le centre du village, hein, ici. Mais il pourrait utiliser son artillerie, je comprends pas. De quel? Ah, ça y est, okay. Voilà. Ça tire. Ouf, 36% déjà. Ah ouais, ça va. C'est une artillerie de combien de livres? Ah ouais, donc ouais, ça va. Ah bah oui. Il sort son. Trop, il a bien raison. Il pourrait en profiter pour avancer son flanc gauche là. Les deux lignes dans la forêt. Oh là là, les casadores, les tiradores plutôt, qui sont. Oh là là, le feu sur les jaguars ici. Au centre, Philus Poulain est un peu pris de tous les côtés. Oh là là, c'est bien joué, c'est parce que les Jaguars sont en train de partir en déroute. On a mis une bonne salve ici, franchement, c'est. Je pense que le positionnement du duc de Rivoli est quand même très bien parce que. Ben en fait, il a pris tout l'espace qu'il y a entre chaque maison. Donc. Et Philus Poulain n'a pas encore déployé toutes ses troupes. Ouais, mais c'est de la garde, hein, sur son flanc droit. Donc, ouais. Ouais, ça reste de... ouais, c'est la garde, hein, quand même. On voit déjà le moral des Portugais, de la mine portugaise qui s'échappe. Pourtant, elle est gradée de 1 à la 7 de morale. Hein. Ouais. Alors, on a une charge de Jäger à cheval face à la cavalerie portugaise. Alors, les Jäger à cheval qui vont se retourner sur l'infanterie. On a formé le carré. On va essayer ouais, de. Ça va sauter, ça. Carré, il va pas tenir. Ouh, le carré qui continue à se retirer dessus par la lifeguard. Mais c'est un beau mouvement portugais quand même, hein. Il a fait ah ouais. les deux en même temps. Ouais. Ah ouais, il est en train de bien amocher le flanc gauche. Attention, parce que là, il risque de se faire flanquer par une infanterie de ligne. Ah, ok. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Voilà, on continue. Oh, belle charge ici des cavaleries portugaises qui a essayé d'empêcher les jaguars à cheval. Ah là là, ça devient comme. C'est très serré. Manque de soutien là, le flanc droit.
cavalerie portugaise qui essaye d'affronter les Jaguars à cheval tant bien que mal. En fait, ils se prennent le flanc tous les deux. Ouais. Le portugais avance à gauche des Suédois. Oui, c'est ça en fait. Chacun attaque le flanc opposé de son adversaire. Oui, exactement. L'unité tout entière a péri, monsieur. Oh là, la Casa Dorés, qu'il se faut poursuivre par les Jaguars à cheval. Bon, dans la forêt. C'est peut-être pas la meilleure solution de charger dans la forêt, mais en tout cas, on rapatrie le plus vite possible les Casa Dorés. Le Suédois n'utilise pas du tout son artillerie. Non. Non. Et c'est bien dommage parce qu'elle pourrait peut-être être redéployée au centre. Ouais, ne fût-ce que même viser le général. Hein. En tout cas, on ne lâche pas le morceau des deux côtés. On s'est affronté directement, il n'y a pas eu de ronde d'observation. Non. Oula, la garde au centre, elle est à 43, elle a bien été amochée. Oh, charge de la des Jaguars à cheval. Carré a été formé à temps de la part du duc de Rivoli. Mais on voit que l'offensive suédoise à droite porte ses fruits. Il reste plus grand chose sur le côté gauche portugais. Ouais, il devrait vite apporter des troupes en soutien. Là, il a pour une ligne à 109. Mais ouais. Il aurait pu freiner l'élan suédois. Mais ah, moi, c'est surtout ces canards de Rennes qui sont la meilleure unité de sa composition. Il faudrait peut-être les utiliser pour renverser la vapeur. Exactement, ils sont un peu inactifs là, dans le fond, les Samaïens. Ah, oh là là, bonne charge ici des Jaguars à cheval qui en profite pour remettre une save dans le carré. On a redéployé l'unité à 109, comme tu avais dit. L'artillerie, elle, ne fait strictement rien, c'est dommage. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Oh là là, bah oui, le carré a été anéanti. Attention au général, hein, parce que si le Jaguars à cheval, est-ce qu'il n'irait pas sur le général? Ah, oui, si. Oh, bien exactement, joué ça. Exactement, oui. Et ça, c'est un beau move du côté de Phyllis Poulot qui pourrait peut-être essayer de tuer le général portugais. C'est catastrophique. Ah, ben ce serait la fin pour le portugais. Hein. Alors. Ça va, mais il est chassé là. Ouais. C'est peut-être le tournant du match. Allez, faut continuer cette poursuite le général. Surtout que l'avantage de Jaguars à cheval, c'est qu'il peut tirer en continuant d'avancer. Donc, allez, ça continue, ça charge. Oh, on veut tuer le général. Hein. Nous avons pris un bâtiment, monsieur. Et on continue. Oh, bien joué la save. Je venais de le dire. Et le général n'est pas encore mort. Bon, il a fait le carré. Mais oh, le général part en déroute. En déroute, ouais. Le général part en déroute, il reviendra, mais je pense pas qu'il ait été tué. Je vais aller voir si. Non. Je pense pas. J'ai pas eu la notification comme de quoi il était mort. Non. Non, je crois qu'il est. Mais il n'y a pas eu de coup de malus au moral. Donc du coup, c'est à supposer que le général est toujours vivant. Il m'avait fait le coup, hein, Duc de Rivoli. J'avais chargé son général, il avait survécu. Ouais, c'est un peu une loterie. Hein, parfois, alors que moi, mon général, il meurt toujours en premier maintenant. Ouais. Il y a une charge, c'est le premier qui meurt. Ouais. Alors on repositionne. C'est dommage d'avoir mis les Casa Dorés dans la maison, alors qu'il y a toujours une artillerie en face. Il faudrait peut-être utiliser les Casa Dorés pour tirer. Ils ont 55 de précision, 65 d'aptitude à recharger. Franchement, c'est non négligeable, ouais. Ça. Hein. Ouais, c'est pas la troupe que j'ai remis dans la maison non plus.
Et là, c'est un petit peu désorganisé. C'est Bruno au milieu, là, il s'est fait arroser de tous les côtés. Oui, et en plus de ça, on recharge avec les autres Jäger à cheval. Non, je pense qu'ici, Phyllis Poulin est en train de prendre tout doucement l'ascendant sur le haut. Oui, le moral commence à craquer du côté portugais. Je pense qu'on se dirige vers une victoire de Phyllis. Bon, ne vendons pas un peu de l'ours avant de l'avoir tué. Oula, la bonne salve ici sur les Jäger à cheval qui continuent leur charge. Le carré a été formé, ils sont 112. Donc normalement, ils devraient s'en sortir face au Jäger à cheval. Oh là là, c'est la débandade du sur le flanc droit. Eh, il reste une cavalerie portugaise, je ne l'avais pas vue. Et elle est... Ouais, mais... Oh, on a tiré dans la maison, la moitié de la maison qui va s'écrouler. Juste à toi, là. Ah, il faudrait virer le carré, là, il ne devrait pas rester au carré. Allez, gamin. Ah, moi, ce que je suis triste, c'est qu'il va, lui rester ses cases de raisin à la fin et ils n'auront pas servi à grand chose alors qu'ils auraient pu faire. Mais c'est pas fini parce que la case de raisin, ça peut faire très mal en fait partie. Hein. Oui, oui. Parce que bon, ils vont mettre une salve ici, tu vas voir que ça va faire, ça va piquer hein, la salve. Hein. Il n'a plus de ligne pour le protéger. Hein. Ouais, c'est mais il n'y a plus de cavalerie en face. Hein. Ah, si, il en reste une. Si, il en reste une à 28. Et regarde les cases de raisin, le travail qu'ils font là. Ouais. Hop, on est route. Ah, je te l'avais dit, les cases adorées, c'est... En fait, il aurait dû les utiliser beaucoup plus tôt. Et on attaque sur... Là, pour une ligne de 118, là. Ouais, il a repris un petit peu du poil de la bête. Là. Ah ouais. Mais c'est... Allez, il va aller... Alors, avec la cavalerie, est-ce qu'il va aller chercher l'artillerie suédoise ou le général suédois? Ouais. Ah, les cavaleries, ils sont... Ouh là là, charge de cavalerie dans les cases adorées, justement. Bien joué, ça. On va essayer, de gratter le plus possible. On réussit à éliminer un. Il en reste encore deux à éliminer. Bon, l'avantage, c'est que les Jäger à cheval sont pas très bons au corps à corps. Alors, l'artillerie, la cavalerie portugaise qui s'est fait ralentir à cause de la maison. On a essayé de charger général, mais une autre... Bonne gestion de la cavalerie du côté de Phyllis Poulin. Ouais. Karine n'est pas formé non plus. Il met le souk dans la défense. Ouais, ouais, on voit bien que c'est un peu difficile au niveau du duc de Rivoli pour se repositionner, pour reprendre ses esprits. En fait, on n'a pas laissé une seule seconde à son adversaire pour respirer. Et on a le carré au centre qui se fait allumer par une lifeguard. Ah, on va essayer, on va charger l'artillerie et c'est peut-être bien. Ah non, elle partira avant. Alors il reste deux Casadores et Cobedlid. 4 infanteries, 2 Casadores. L'infanterie qui bat en retraite. Oh non, non, là on se dirige vers une victoire de Phyllis parce que. Du côté, je pense que ça va être le baroud d'honneur portugais. Mais ouais. Même si les Casadores, en fait, ils devraient tirer de l'avantage de la portée de ces Casadores, parce que là, il est en train d'allumer au sort des lave-gardes à pied et ça fait très mal. Non, c'est pas encore fini, hein. Ils sont précis, hein, ces Casadores. Bah, c'est 55 de précision, hein. C'est une garde à pied anglaise. Bah, c'est la meilleure unité d'infanterie légère du jeu, donc bon. Ouais. Avec un très bon moral, un moral de wood, c'est pour ça qu'il résiste. Charge sur le flanc gauche. Oui, je vois. Le carré est fait à temps, oui, c'est bien, mais derrière, il y a une ligne. Ah, il y a encore une troupe de Ligueur. Ah oui, à 60 en plus. Ah, il l'avait peut-être oublié quelque part. Il est complet, ouais. Mais les Casadores, là, ils sont en train de faire
un travail dans le centre qui est monstrueux. Bon, ils vont se faire flanquer maintenant par une infanterie, mais bon, il faut repositionner. C'est encore très serré, hein? Oui. Il n'y a plus de cavalerie des deux côtés, non? Non, il n'y a plus de cavalerie. Ah, on charge à la baïonnette avec l'infanterie de ligne suédoise. Non, à partir de... franchement, il y a peut-être moyen que le duc de Rivoli gagne en utilisant correctement sa Cazadores. On commence à plus avoir de munitions dans l'infanterie portugaise. En espérant que les Cazadores aient toujours des munitions. Bon, on a toujours le général côté suédois. C'est pas encore gagné, hein, du côté de Philus. Ah, ça craque à gauche. Ouais, ça commence à craquer du côté de Philus. Ouais, 41 de Lafgarts, ils sont plus top. T'as bien raison, Aaron. Ouais, les Cazadores, ben voilà, à quoi sert les Cazadores, hein, c'est pas une unité d'élite, mais c'est tout comme. Ouais. Et là, c'est une bataille qui est très très... Là, c'est une partie qui est vraiment chouette à commenter. Oui, il y a de l'animation, hein. Et du suspense. Oui. Il essaye de toucher le général avec son artillerie. Oui. Ah, il l'a tué. Il est mort. Non. Oh, coup de théâtre. Le général suédois vient d'être tué. Donc, c'est une victoire du duc de Rivoli, à mon avis. Oh. Alors, c'est un revirement, hein. Ah, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vécu de revirement de situation comme ça. Et il reste un... Ouais, le Jäger peut encore faire mal aussi. Ouf. Ouais, mais ils sont harcelés par l'artillerie. Ouais. Elle est bien mise. C'est étrange quand même qu'il n'a pas utilisé. Ah, il commence à la bouger. L'artillerie, le suédois. Ouais. C'est étrange. Oh là là, pendant tout un moment, on a pensé que ça aurait été Philus qui allait gagner. Ici, ben, ça s'est inversé. Ah, bon. Évidemment, les Jägers sont plus de portée que les Cazadores. Ils rechargent moins vite, mais ils sont tout aussi précis. Alors, on va voir ce que la salle va faire. Précision pour les balles. Oui, faut voir. C'est ici que ça va se jouer. Ouais, mais tu vas voir la salle ici des Cazadores. Où on peut. Le Jäger montre son dos. Il doit recharger. Ah, dommage. C'est dommage. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Alors on tire dans la maison évidemment. Ouh, bon tir à la mitraille ici. Ouais. Oh, franchement, c'est parce qu'on n'a pas fait les paris, mais difficile de dire qu'il va gagner ce match-ci. Hein. Parce que bon, le général est mort. Il est parti en déroute ou il est toujours là, le général? Il est toujours là. Il va l'attaque l'artillerie. Ah, l'attaque l'artillerie, ouais. L'artillerie maintenant. Ouais. Ah non, le général peut aller chercher peut-être l'état-major, peut-être aller essayer d'aller chercher les deux Cazadores. Oh, ça part en déroute chez le Portugais, il ne reste plus qu'une troupe de 48. Ouais. Ah ouais, il n'y a plus de. Ça va être une victoire de Philus alors, hein. Ouais. sur le fil. Mais vraiment sur le fil du rasoir, hein. Ouais. Tu vois, il y a 15 secondes, on s'est dit, ah, victoire de Duc, et non, maintenant ça repart dans l'autre sens. Ouais, mais ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Ouais, ben... Mais tu dis, s'il avait utilisé ses Cazadores mieux depuis le début, ça aurait changé la donne. Je pense aussi, hein. Maintenant, le général va aller charger le Cazadores, évidemment. Hein. Ouais. Alors, le général, l'état-major, est-ce qu'il n'y a plus de général? Allez, continue à charger. Bon, ouh, la salve. Je crois qu'il a fait un mort, ouais. Attention, parce que les Cazadores, ils savent se battre encore à corps. Ouais, 46 pour 8, 44. Et il faut en profiter pour continuer à tirer dessus, hein. Oh, il y a un autre Cazadores qui s'est reformé derrière. Ah. Donc l'état-major va plus durer longtemps. mais quelle partie. Oh, le général qui a été vaincu.
Bon, maintenant, le Jaeger est quand même bien positionné. Ouais, voilà, le Jaeger, ça snipe, hein. Ouais. Elle part en déroute, l'autre est constant. Aïe, 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 aïe. Franchement, cette partie-ci, c'est une belle partie. Mais je pense que ce sera une victoire pour le Suédois. Je pense aussi, ouais. Le Jaeger à 52 et l'artillerie vont faire mal. Hein. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils ne veulent pas courir. Et je crois que le Casadoré, ça n'a plus de balles. Exact. Exact. Donc je jouerai contre le Duc de Rivoli. Donc vous, on va vous commenter ce dernier match là. Ce sera le dernier match de la soirée. Une bonne game. Ouais. Alors, et là, alors l'artillerie, est-ce qu'elle va tirer maintenant à la mitraille? C'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant de tirer. Boum. Et voilà. Et les Canadiens qui continuent d'avancer. Ah, voilà. Ouais. Victoire du coup de fil de Spoulot sur le fil du rasoir. Franchement, ouais. Très belle partie de la part des deux joueurs ici. C'est, ça aurait mérité d'être une finale. Ouais. Ah ouais, les stats sont vraiment semblables, hein. Exact, exact. 1299 pour 1700 déployés côté des Revolis, 1656 contre 1213, donc victoire de justesse ici, vraiment la pyreuse de Phyllis Poulot qui remporte du coup...